Début année 2000, yo, design ou quitte design? Non, je mettais dehors. Ok, nous mettons dehors dans design. Design continue sans où. Et après, Gazman va rejoindre nous. Design va continuer tout. Et là, Gazman nous fait New Look. Avant New Look sorti, New Look interprété, sorti deux albums live. Et interprété des musiques qu'on a fait dans design, nous jouons live. Et c'était des musiques qui étaient contre marché. Mais avant, l'album Big Mistake était sorti. Premier album New Look sorti, album dans le Big Mistake. Son façon, dans la musique ça. Et, c'était où tu écoutais ça ou bien c'est. Yeah. Oui. Donc, son musique que tu travailles. Parce que la musique là, a un rapport avec et choix, monsieur, tu fais ou tu pas besoin de superstar, ou à faire, ou à faire. Donc, son façon pour nous dire. Ça a sorti dans le slogan. C'est dans le slogan. Slogan, c'est le slogan de Gazman. Gazman, ok. Slogan, c'est toujours Gazman. Ouais. Mais texte là, c'est moi-même. Ouais. Mais là, regardez, c'est des musiques tant qu'ou assez, ouais. Et dans le design. Assez, c'est l'histoire même. C'est l'histoire même. Je me crée ou prendre. Ma baou. Sans résistance. Tout parler ou parler, je ne vais pas faire résistance. Ou accuser ou dénigrer, je ne vais pas faire violence. Bon Dieu, si je péché. Ça, c'est le nègre de thème justement dans le design. Et puis, nègre dit, je n'ai pas besoin de faire musique. L'interview, ça, c'est Guillaume et son l'autre pour l'interview. Yo, nègre dit, non, Miami, je n'ai pas besoin de jouer musique encore. Et puis, on t'apprend ça. On dit, c'est ça, mon frère. Et dans le studio, nègre agressé dans le studio, bâton baseball, lui. En tout cas, son époque. C'est des bagages qui marquent nous et nous-mêmes, bon, ils ont fait nous grandir, ils ont fait nous vivre le monde que nous sommes. Pour qui ça nous parle de ça, je dis, c'est parce que je ne veux pas que le monde comprenne, leur regarder aller la rivière, je dis, on dit que son aigle qui était toujours joué toute bagaille facile dans la carrière, ou bien son monde qui était une route qui était plus facile. La fois qu'il met ça là, il connaît ça, période ça, non, musique là, il connaît l'époque que dans le studio, il n'est pas agressé. Donc c'est pour cadeau que lui, c'est persévérance. Je me dis que je voulais faire musique. Je me dis moi-même, je suis musicien, c'est ça que je choisis pour me faire. Alors, maman, qui est professeur, je me corrige. Dans la musique, ça me dit, ou dis, je ne vais pas faire musique pendant que c'est ça que je fais. Maman me dit non. Alors, pour qu'il soit dit, c'est ça qu'on fait. C'est ça que je choisis. Je me dis, mais ma musique l'a sortie déjà. Yo, donc. Ouais. Et c'est des bagages qui passent, qui marquent. Nous avons fait toute soirée, là, on a parlé de ça, parce que ça fait partie de ça que nous avons fait. Ça fait partie du succès que nous avons vu, que nous avons fait. C'est parce que nous avons persévéré, nous n'avons pas besoin de la vie. Et c'est comme ça que ça m'a pour tout jeune. Tout. Parce que pas besoin de gagner facile, pas besoin de gagner qui vient tout fait. Parce qu'on est moment difficile. Il a venu sous différentes formes. Mais c'est continuer le travail, continuer la bataille. Parce que persévérance, c'est fou. Alors, tu as pile problème. Tu as une machine, tu as un gaz. Tu as tiré. Tu as pile parole, tu as pile. C'est des bagages où tu as vivre à l'époque. Justement. Tu as vu une batte dans le studio. Et là, c'est moi-même qui devant un bâton. Hein. Et tu as tiré à hauteur d'homme, là, avec Francis Télisman. Ouais. C'est un homme que nous passons, c'était dans le début à tout. Qui est très important parce qu'il a avoué depuis longtemps qu'il est toujours là. Francis. Oui. Francis, il a tiré là quand monsieur, pendant que nous étions en réunion, nous faisons déplacer, il n'y a pas de tirer. Je ne sais pas qui est-ce qui était tiré. Ça va intéresser parce que là, nous vivons, grâce à Dieu, nous en forme, et nous ne pouvons pas retourner sur ça. Mais je parle des bagailles que nous connaissons dans la carrière. Non, tu vois? Et puis, brûler machine, et ça, c'est Gazman que ça a dérivé. Donc, nous connaissons plus de bagailles difficiles même.